Salut tout le monde! Nouvel épisode sur Tant quoi faire Tunisia 1943. Donc, ça sera très certainement le dernier épisode. On va essayer de prendre les. Alors, la dernière fois, on avait eu un combat ici. Finalement, on avait quand même réussi à prendre le point de victoire. Et là, on va essayer d'aller sur celui-là. J'ai absolument pas la moindre idée de ce que j'ai en troupe. On va un peu faire le tour. Alors, j'ai du coup un paquet de Panzer 3. Plutôt type commandant, vous avez un Bef Panzer ici. Ensuite, nous avons un gros groupe de Panzer 3, ça c'est top. Voilà. Un autre groupe de Panzer 3 ici. Pour l'instant, je les mets en ligne et puis on verra comment je répartis après sur la ligne. Un groupe de Panzer 2, bon, un peu moins top. Du Panzer 4, on va mettre par ici si je peux. Non. De nouveau du Panzer 4 ici. Ouf. Un autre groupe de Panzer 2. Et après, on a c'est de l'infanterie méca. Donc, on va mettre plus L en défensif. A priori, je peux pas mettre les chars sur la gauche. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est appui-feu, mortier et MG. D'accord. Quand je regarde un peu, la position à prendre doit être dans ce secteur-ci. Du coup, toi, est-ce que je peux te déplacer par là? Ouais, génial. Très bien. Lui, on va le redéplacer, décaler un peu ici. Je peux le décaler par là. Oh, génial. Très bien. Après, je vais faire gaffe aux lignes de vue. Donc, toi, on va te laisser un peu en arrière. Lui, on va le remettre un peu en position un peu plus centrale. Lui, par ici. Un groupe de Panzer 2. Oh non, je vais les laisser là, les Panzer 2. Du coup, niveau vision, ça donne quoi ce bordel? Donc vous, vous voyez rien. Ah là, c'est déjà mieux. Vous, ça donne quoi? Ça donne que c'est pas mal. Eux, c'est pas mal aussi. Bon, là, c'est du Panzer 2, c'est moins grave. De toute façon, il faut que je les fasse avancer. Panzer 4, par contre, ils voient pas grand-chose, surtout dans ce secteur-là. Il y en a torche. Ouais, là je pense qu'on va rien voir. Ok, bah écoutez, on est parti. Donc, vous allez partir en défense là. Toi, tu vas partir en offensif ici. Offensif là. Offensif là. Vous n'allez pas trop avancer non plus. Parce que je veux pas non plus perdre trop de troupes, pas non plus perdre trop de tanks. Hein. Je pense que c'est la fin de la partie que je dois jouer comme un abruti. Enfin, je peux prendre plus de risques, mais c'est moins. Et alors, l'idéal, ça serait de faire un assaut par ici. Vous, on va faire un assaut par là. Les Panzer 2, ils ont déjà leur ordre, ils ont leur ordre. Eux également. Eux, on va les retrouver en reco par là. Reco par là. Alors, ouais. Ce qu'on peut même faire, c'est qu'on peut leur dire de monter. Et de passer en reco. Alors, reco là. Pour qu'ils s'assoient plus rapide. Et reco ici.
Parce que le but, c'est comme je ne peux pas mettre l'infanterie trop sur la droite, on va essayer de la envoyer un paquet à droite. Hein. Toujours utile et pour la reco et pour le support, support arti. Et le support en anti-infanterie au sol. Ah, y'a. Donc là, il y a du chat. Ah, c'est du chat. Bon, alors, il y a plusieurs gays. Donc. Les Panzers 2 doivent potentiellement passer. Arriver à passer. L'avantage c'est que ils ont pris le tir latéral sur ça. Déjà ce que je vais faire c'est que j'ai un foutre à gauche. Et là on a fermé le paquet. On va desquiver un peu. On va essayer de passer derrière la course. Je modifie les ordres pour réellement réussir à les faire passer derrière. Dommage que les 10 régiments, si ça les tire, soient aussi. Voilà, je place un assaut de ce côté-là. Toujours pareil, si je vais essayer d'avoir du champ de flotte. Et eux, je vais mettre en offensif là. Et eux, je vais mettre en offensif. Oula! Ah oui, d'accord. Thank you.
œufs. C'est compliqué là par contre. Autant l'autre était compliqué, on a réussi à avancer. Autant là ça va être encore pire parce qu'il y a tellement de chats. Panzer 6, on aurait pu rester loin. On mettait les Panzer 3 et 4 en défense. Les Panzer 6 tuaient tout de loin. Alors que là, ça va être ultra compliqué. Surtout qu'en plus, je n'ai pas d'anti-char en plus. Ouais, ce derrière, ils ont pas d'anti-char. Ça explique la difficulté. Et ils ont foutu un coup de trac. J'aimerais bien ramener comme un fente. C'est quoi qui est derrière? Et là, c'est le F-Trap classique. Classique. Oui. Ils sont. Ils ont fait des tranchées. C'est quoi sur position de la chute? Ah mais il y a encore des tromperies. Ah mais là il y a des tromperies. Bon, heureusement que c'est le dernier tour, sinon je serais vraiment dans la merde.
pensais pas que tu aurais une telle résistance. Ouais, juste ce petit coup. Enfin, il reste deux chars ici. Bon, écoutez, il propose un cessez-le-feu, on va s'arrêter là. De toute façon, j'arriverai pas à casser tout ça. Que je ramène une grande partie de ce que j'ai. Ça sert à rien d'insister. Donc, on va voir un peu l'état de la catastrophe. Alors. Tank, ouais. Bon, eux aussi ont bien perdu. Ça, c'est le point positif. Infanterie moto. Alors, on a perdu, mais eux aussi ont bien perdu. Commandant, bon, heavy weapon, scout, ça, c'est moins grave. Ils ont quand même perdu un peu de canon anti-char. Ok. Mais bon, finalement, niveau tank, je pensais pas qu'on leur aurait fait aussi mal. Hein. Mais bon, on a globalement, on a autant perdu qu'eux alors qu'on avait plus au départ. Et bien, on va retourner sur la carte de campagne. Donc, voici sur la carte de campagne. Comme on peut le voir, alors on a pu progresser ici, mais là, on s'est fait complètement bouffer. Là, il reste à peine quelques tanks. Là aussi. Là, il n'y a quasi plus rien. Là, il n'y a plus rien. Et en fait, j'ai seulement mes, voilà, mes gros groupes blindés. Fin. Les combats dans la zone de Sidi Bouzid ont montré la supériorité des forces allemandes au niveau dans cette zone tactique et le manque de troupes US entraînées. Après 2 jours de bataille, les troupes américaines ont perdu 1600 hommes, environ 100 tanks, 57 Halftrack, 28 artillerie. Les alliés passent en défense et ce qui a permis aux Allemands de reprendre la situation, de reprendre l'initiative tactique. Ouais, enfin, là, la supériorité sur les derniers combats, comment dire, je me suis fait torcher le cul. Après, c'est vrai qu'effectivement, on a eu la plupart des points. En termes de points de victoire, on est à 1388. Contre 465 pour les ennemis. Alors je sais pas trop qu'est-ce qui est pris, si on fait le détail. Key point, d'accord. D'accord, il y a le personnel. A priori, il semble que c'est réparé. Les trucs en panique, donc j'ai l'impression que c'est à peu près tout en fait. Il y a encerclement, on gagne un point, ce genre de choses. Unité défaite, on gagne 4 points. D'accord, ok. Écoutez, on va s'attarder pour de toute façon pour cette série. Je pense que je continuerai d'autres séries, alors soit sur Milius Front, soit sur Tank Warfare 1943. Surtout, j'ai regardé sur Milius Front, mais en fait, ils ont les nouveaux scénarios en DLC que j'ai pris. En fait, ce sont comme sur le même principe que sur Tank Warfare, c'est-à-dire que vous avez des gros groupes d'unités, vous avez plus comme lors du premier let's play où c'était des petits groupes avec un groupe qui a de l'arty mais il n'y a pas d'anti-char, mais il n'y a pas d'infant, enfin ce genre de choses quoi. Là ça a l'air d'être, là c'est nettement plus, vous avez un groupe, vous avez de l'infanterie, vous avez du mortier, vous avez tout ce qu'il faut dans le package. Je pense également que pour changer on fera peut-être d'autres camps, côté Milius du coup, faire un peu URSS en fonction des scénarios. Ou si je refais sur Tank Warfare, soit anglais, soit américain. Voilà, fin du let's play, puis bien je vous dis un autre let's play la prochaine fois. Salut tout le monde!